If love was a word I don't understand, the simplest sound of four letters, whatever it was, I'm over it now. With every day it gets better. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne de collaboration 7 Days 7 Readers pour faire la vidéo du mercredi. Donc pour moi cette semaine ce sera un On My Wishlist. Donc je vais vous présenter 7 titres. Et parmi les 7 titres que je vais vous présenter, je vais avoir besoin de vous. Donc ce sera donc 7 titres de ma wishlist. Et j'aimerais que vous votiez pour un de ces titres pour qu'au mois de juin je puisse en acheter un. Et celui que je vais acheter ce sera bien sûr celui qui arrivera en première position. Donc j'ai trouvé que c'était un concept un petit peu sympa qui changeait du On My Wishlist un peu traditionnel. Donc je vais commencer tout de suite par vous dire les 7 titres. Donc le premier, c'est Confusion de Kate Clark, édité aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Et je vous mets la photo maintenant. Voilà, donc ce titre m'a toujours attiré, que ce soit au niveau des chroniques toujours positives, au niveau de l'histoire. Franchement, c'est un livre que je veux découvrir. Ensuite, j'aimerais... Donc dans ma wishlist, il y a Delirium, le tome 3, Requiem de Lauren Oliver, publié aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Je vous mets une photo maintenant. Voilà, ce sera l'occasion, si ce livre arrive en tête position du classement, de finir la série. Et parce que j'ai adoré cette série, j'ai envie de savoir comment ça se finit. Donc c'est pour ça que je vous présente ce bouquin. Ensuite il y a Enfant des éléments, le tome 1, Chevaucheur de foudre de Agathe Rouleau, publié aux éditions Valentina. Je vous mets une photo maintenant. Et donc ce livre m'attire par rapport à son thème. Voilà, tout ce qui est éléments, que ce soit l'eau, le feu, le vent, la foudre, n'importe quoi. Moi, ça me botte bien. Le résumé m'a attiré. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous le présenter. Et voilà, comme il m'attire, j'aimerais le lire, tout simplement. Ensuite, j'aimerais lire Holo, le tome 1 de Jessica Verde, aux éditions J'ai lu. Je vous mets une photo maintenant. Donc ce livre m'a attiré de prime abord par la couverture. Franchement je la trouve super belle et en lisant le résumé je me suis aperçu que ça pouvait être pas mal, que ce livre avait peut-être un réel potentiel, donc c'est pour ça que je vous le présente parce qu'il me fait beaucoup envie. Voilà, ensuite j'aimerais acheter, enfin dans ma wishlist plutôt, la sélection, le tome 2, L'élite de Kierakas, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je vous mets une photo maintenant. Voilà, donc ce livre fait beaucoup parler de lui en ce moment, parce qu'il est sorti très récemment. Le premier tome de la sélection m'avait beaucoup plu. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais beaucoup aimé. Et j'ai envie de voir ce qui se passe dans le tome 2, parce que America me manque beaucoup. Et même le prince Maxon, enfin tout l'univers qu'a pu créer l'auteur me manque. Donc du coup, je vous le présente. Ensuite, il s'agit du livre Multiversum, le tome 1 de Paolo Patrignani, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je vous mets une photo maintenant. Donc ce livre, c'est la couverture, franchement, ça m'a tout de suite botté. Les couleurs comme ça, le monde un peu fou et bizarre. Et en lisant le résumé, donc c'est une histoire de monde parallèle d'après ce que j'ai compris. Et moi, tout ce qui est voyage dans le temps, enfin tout ça, monde fantastique, ça me parle mais à 100%. J'ai vu des chroniques positives, j'ai vu une chronique un peu plus mitigée, mais je pense que ce livre pourrait me plaire. Et voilà, franchement, s'il arrive en tête position, ça me ferait beaucoup plaisir de l'acheter. Et le dernier livre que j'allais vous présenter, c'est Une île de Tracy Garvis Graves, aux éditions Milady dans la collection Grande Romance. Je vous mets une photo maintenant. Donc, super couverture.
Franchement, ça donne envie de partir en vacances, en voyage, sur une île déserte. Et comme j'ai déjà lu, donc comme vous le savez, Avant toi, de Jo Moyes, qui était aussi une grande romance, ce livre-là, je pense qu'il a un réel potentiel pour me faire chavirer aussi. Donc du coup, j'avais beaucoup envie de vous le présenter. Voilà. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter pour me laisser vos impressions plutôt, sur le livre que vous voulez que j'achète pendant le mois de juin. Moi, je me ferai une joie de l'acheter, parce que tout le livre que je vous ai présenté, franchement, il me botte super bien. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye! You love in the